Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir comment déclarer un vecteur en algorithme. Comment je veux déclarer un vecteur? Comment le déclarer? Si je veux déclarer ce vecteur et le remplir, comment le faire? Ok? Et comment déclarer un vecteur de taille maximale, etc. Les concepts. Donc, ça dépend de la question de l'exercice. Mais en général, on suit toujours le même modèle. Vous avez remarqué que les cours, les CRTP, toujours on suit le même principe. Donc, avant de faire la déclaration qui est montrée ici dans ce résumé, on va essayer de faire la déclaration. On va essayer de faire la déclaration de ce vecteur, le vecteur Yagekan. Et on va l'initialiser. On va le faire et on va l'initialiser. On va le déclarer. Après, on va le remplir et on va l'afficher. C'est-à-dire, on va faire quoi? On va faire les trois parties. Déclaration, lecture et affichage. Tout ça, vous l'avez vu avec le cours. Donc ici, c'est un résumé. C'est un résumé, déclaration en algorithme, la lecture en algorithmique et l'affichage en algorithmique. Et juste à côté, la partie droite, il y a en Pascal. OK? Très bien. Et vous remarquez, pour les vecteurs, on utilise beaucoup la boucle pour. Vous remarquez ici. On va essayer de le faire. On va essayer de le faire en algorithme. Et on le fait en Pascal. Par la suite, on fait l'exécution en Pascal. Vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est la question. On va imaginer un exercice. Donc, je pense une question. Okay. Okay. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser ici. D'accord? Très bien. Donc, le chapitre 3, j'ai dit que pour le chapitre 3 ne sera pas inclus. Okay. D'accord? Le PDF, vous allez le trouver. Le PDF, vous allez le trouver au niveau de ce lien. Je vais vous donner le lien. Algoprog Community. Donc le lien doit bien. Puisque pourquoi je préfère utiliser YouTube, c'est plus pratique que le learning. Le lien du PDF. Donc le lien est bien. Voici, vous pouvez le recopier. Il est là. Enfin, j'envoie à tout le monde. Donc, dès que vous cliquez sur l'IA, il va vous ramener vers le community. Ici, vous trouvez les différents affichages que je fais, y compris le lien. OK? Vous trouvez le lien. Et donc, je vais mettre le lien du PDF. Et vous trouvez aussi les liens des de différentes PDF. Chaque session, chaque séance, elle s'affirme les liens du PDF dans la description de la vidéo en YouTube. Donc, la vidéo de YouTube, vous allez la trouver, kiff kiff, vous allez la trouver ici sur ce lien-là. Sur ce lien de community. Ok. Algoprog slash community. Très bien. Très bien. On continue. Donc, on va imaginer une petite situation. Supposons que vous ne connaissez pas déjà les vecteurs. On va imaginer une situation. Je veux. Ça, on va le voir après. Ça, c'est après. Mazel. Très bien. Mazel, okay, on va l'utiliser. Très bien. Donc, je vais imaginer un exercice. Je vais essayer de créer un exercice. Ok. Donc, du coup, je dois les accepter. Très bien. Good. Alors, oui, il y a une question. Oui, elle sera disponible après dans YouTube. D'ici demain, la vidéo sera disponible. Très bien. Alors, Malish. Donc, on va imaginer un exercice. Donc, il faut répondre juste pour la question. Donc, on va voir ici. Donc, on va faire un exercice. Ça comme ça, donc je pense que ça sera délicat. De préférence, il peut créer un nouveau fichier. Voilà. Très bien. Je vais imaginer un exercice. Voilà. Donc, je veux écrire un algorithme pour avoir le même résultat que ça, exactement comme ça. Donc, écrire un algorithme. Écrire un algorithme, programme Pascal, je vais zoomer un petit peu, écrire un algorithme programme Pascal pour créer le vecteur de trois cases, exactement de trois cases, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, hein, et les valeurs indiquées ci-dessus, C'est-à-dire, c'est quoi cette question? Les choses de la question. Voilà, voici l'exercice. Voilà, comme ça.
Donc l'exercice va être marwagir. Je vais créer un algorithme, programme Pascal, pour avoir cette situation. Un vecteur de trois cases, je vais indiquer de type entier par exemple. Après, on va le rendre type réel, de type entier. OK, de type entier. Et les valeurs indiquées, c'est exactement les valeurs 11, moins 5 et 15. C'est-à-dire, on n'a pas le choix. Ici, il t'a pas donné soit un vecteur de type entier. Non. McDaniel, soit un vecteur de type entier, c'est quelconque. La taille, on ne la connaît pas, et les valeurs, on ne les connaît pas. Mais par contre, dans cet exercice-là, on a un vecteur, on connaît la taille et on connaît les valeurs. Comment faire ça? C'est très simple. Donc, je pense qu'il y a des gens qui sont prêts. Oui. Très bien. Alors, je vais créer l'algorithme. On va créer l'algorithme pour cette situation. Me dérange comme ça. Okay. Très bien. On va créer l'algorithme pour cette situation. On va créer l'algorithme pour cette situation. OK. Good. Alors, donc on va créer l'algorithme pour ce cas-là. OK, je vais faire, je pense, je vais faire un encadrement, je pense, line. OK, voilà. Donc, on va faire l'algorithme. Je viens ici, je crée l'algorithme. C'est à moi qu'il est. Après, ça c'est mes exemples 1. Exemple, tirer 8, 1 par exemple, dans 0, 1, point, virgule. Les points virgule de l'algorithme, ce n'est pas obligatoire. OK. Très bien. Et je déclare. On va déclarer en algorithmique le vecteur, les variables. Ça, c'est les variables de l'algorithme. Nous avons quoi? Nous avons un vecteur. Nous avons un vecteur. Les vecteurs, à quel sens bien? D'accord, Dinelli Smith. L'exercice, des fois, il ne vous donne pas le nom. On choisit un nom, en général on fait V, NRT, V pour vecteur, T pour tableau. Okay. On ouvre un crochet, on indique la taille, il y a 3 cases, jusqu'à 3. 2, entier. Attention, on va voir, il faut à 3. Pourquoi? Puisqu'il m'a dit que l'exercice est 3. D'ailleurs, il y a un exercice glacéré TP vecteur, il y a de 10 éléments. Donc on fait jusqu'à 10. Pourquoi on a fait 10? Puisqu'il y a 10 éléments. Il a précisé la taille. Il a indiqué la taille qui est exacte. Okay? Mais en général, tous les algorithmes que nous avons, presque tous les algorithmes, encore les algorithmes GIL-TP, la plupart des algorithmes que nous avons fait pour les vecteurs, on ne connaît pas la taille. C'est pour ça qu'on ne fait pas 3, on fait 100. Et 100, c'est la taille maximale. Mais ici, il n'y a pas de taille maximale dans la taille de l'utilisateur. Je vais vous dire pourquoi. Puisque les données sont figées. Enfin, c'est un vecteur de 3 cases, les indices de 1 jusqu'à 3, et les valeurs, ils sont connus. On va voir comment le faire. Vous me dites? On va voir comment le faire. On va venir ici. D'ailleurs, déclarer. Début. C'est bizarre. D'habitude, on fait le i et le n. Et fin. Voilà. Ça, c'est la structure de l'algorithme. Donc, un algorithme est structuré de trois parties. Ça a une structure de trois zones. De trois zones. La première zone, c'est l'entête, déclaration et le corps. La partie instruction. Okay. On va le voir avec le Pascal. Très bien. Qu'est-ce que je vais faire par la suite? Donc, je vais faire un algorithme. Pascal, pour créer le vecteur de trois cases de type entier, donc de type entier, entier, et les valeurs indiquées, et afficher ce vecteur. À la fin, je dois afficher ce vecteur. Et afficher ce vecteur. On va le faire. C'est très simple. Très simple. Alors, accepte. Ouais, accepte. Très bien. On va le faire ici. Juste qu'un dagger, l'aller à souligner un tableau. C'est un mot-clé, il faut le souligner, et aussi il faut souligner deux. Mais si vous ne soulignez pas l'examen, non, ce n'est pas méchant, d'accord? Non, juste pour montrer les pseudo, les mots-clés de l'algorithme, les pseudo mots-clés, ok? Voilà, début. Donc, je commence ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire T de 1, reçoit 11, ok? C'est la première instruction. Et T de 2 reçoit moins 5. Et T de 3 reçoit, T de 3 reçoit, mais on n'a jamais fait comme ça que l'examen, on n'a jamais fait comme ça que le cours. Pourquoi? Puisque c'est la question de cet exercice qui m'a dit ça. Écrire un algorithme programme Pascal pour créer le vecteur de 3 cases, il m'a précisé que c'est 3 cases de type entier, et les valeurs indiqué ci-dessus. Il y a les valeurs qui sont indiquées au Saounagel. Nix. Ok? Ok, le malin. Si afficher ce vecteur, on va voir. C'est uniquement ça.
Donc ça, c'est quoi? C'est remplir le vecteur. On a rempli le vecteur par affectation. Mais d'habitude, on remplit le vecteur par lecture, par lire, par la boucle lire, par avec une boucle et lire. On va voir c'est quoi la différence. À quel fait même le principe de lecture d'un vecteur, de schéma à lire un vecteur. Excusez. Après, ça c'est l'initialisation du vecteur. On a initialisé le vecteur. Initialiser le vecteur, initialiser toutes ces cases. Initialiser la case 1, la case 2 et la case 3. Maintenant, une fois qu'on a initialisé le vecteur, on va l'afficher. Pour l'affichage, on peut faire ça. Écrire T2 1, afficher la case T2 1, écrire T2 2. Pourquoi je peux faire ça? On peut faire ça puisque tout simplement il y a trois cases. Je connais le nombre de cases. Je connais exactement le nombre de cases. Voilà la réponse à cette question. C'est très simple. Mais c'est un peu bizarre par rapport à ce que nous avons déjà fait quelques cours. Je veux dire, c'est quoi la différence? Une deuxième variante de cette solution, la différence ici, vous remarquez, écrire T2 1, écrire T2 2, écrire T2 3, trois instructions qui se ressemblent. Les instructions aiguës, c'est difficile de les mettre dans une boucle puisque je ne connais pas les valeurs ici, je ne peux pas les déduire. On doit faire comme ça. Mais par contre, ici, 1, 2, 3, je sais c'est quoi la relation égale à 5. Allemand, blé 1, Asrama plus 1, je vais avoir 2. 2 plus 1, je vais avoir 3. Et ça, ça ressemble à la boucle pour. Donc, on peut remplacer les trois écrits réguliers avec une seule écriture. C'est écrire I, T du I, pardon, écrire T du I. Et on va faire ici la boucle pour. Pour I reçoit. 1, A, 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 N, faire, et vous faites écrire fin. Allez, on va faire doucement les choses. Alors, cela, quelqu'un se fait le même principe. Donc, ici, pour la même chose, ici, de souligner les mots-clés. OK. Et fin. Voilà, très bien. Good. Donc, kif-kif, hein, wagid, wagid, ils sont identiques. Ils font la même chose. Alors, c'est un algorithme figé. Pourquoi figé? Il n'y a pas de read, il n'y a pas de lire, il n'y a pas de variable d'entrée, mais il y a des variables sorties. Donc les variables d'entrée ici, il n'y a pas. Pourquoi? Puisque vous laissez l'instruction lire. Et c'est quoi les variables sorties? C'est le vecteur T de 1 jusqu'à 3. Voilà. Donc là, je peux répondre à cette question variable, variable d'entrée, variable sortie. Ok, une question. Alors, et quand on ne connaît pas le nombre de cases? On arrive à cette question. Jusqu'à venir, c'est dehors. Ce qu'on a fait avec le TP et le cours, on ne connaît pas le nombre de cases. On arrive. De façon générale. On va refaire l'exercice. On va refaire l'exercice. Elle sera disponible dans YouTube, la vidéo. Tu demandes à l'utilisateur d'entrer. On arrive à ça aussi. D'accord? Ces questions-là, on arrive. C'est ça. Étape par étape. Le principe d'abord, après. Très bien. Donc ici, pas de variable d'entrée. Et les variables de sortie, c'est T1. T2, T3. Ça veut dire T de 1 jusqu'à 3. Donc, si je veux faire ici le schéma d'entrée et sortie, ou bien le schéma d'entrée et sortie, ici. Okay. Donc, là, il y a le traitement. Le traitement, il est vide. Où est le traitement, les gars? On n'a pas modifié les valeurs T de 1, T2, T2, T3. On ne les a pas modifiées. Puisqu'il y a les valeurs qu'elle ne sait pas. Donc, variable d'entrée, où est-ce? En réalité, le traitement, c'est. C'est pas vide vide, c'est l'initialisation de T. Puisqu'on laisse les variables d'entrée, donc on va dire traitement, c'est quoi exactement? C'est initialiser, de façon constante, de façon figée, non dynamique. C'est-à-dire l'utilisateur, il n'intervient pas à l'initialisation. L'utilisateur utilise les valeurs. Initialiser de façon constante, de façon statique, les cases du vecteur. Et variable sortie, c'est quoi? Variable sortie, c'est. Variable sortie, c'est le vecteur T. Non, on fait ici de 1 jusqu'à 3. Voilà. Ok, manas T de 1, T de 2, T de 3. Ok, il manas la phrase ailleurs. Et je peux ramener une fléchette ici. Très bien. Et voici variable d'entrée, variable. Donc, il n'y a pas d'entrée, mais il y a des sorties. Donc, il faut que les variables sorties, puisque c'est écrire. C'est écrire qui vous indique les variables sorties.
Et puisqu'écrire à gainer, il est dans une boucle, ça veut dire qu'il sera exécuté. Ou là, je l'ai un, pardon, je m'excuse. Il y a la 3. Ok? Puisqu'il a blessé la taille 3. Donc, la sera écrit 3 fois, de 1 jusqu'à 3. Sauf que ici, il y a la variable i. J'ai utilisé ici la variable i. La variable i, il fallait ajouter la variable i ici comme entier. Ça qui est la différence entre l'algorithme et le. Réellement, les deux algorithmes sont identiques. Très bien. Ça, c'est le premier cas de figure. Avant de faire le deuxième cas, le cas général, on ne connaît pas la taille du vecteur et on ne connaît pas les valeurs. On va imaginer la situation. Avant de faire ce cas, on va essayer de programmer ça en Pascal. On va programmer ça en Pascal. On programme soit la première version, on a la deuxième version. Ils sont identiques. Hein? Les deux vecteurs qui sont identiques. Les deux algorithmes, ils sont identiques. Ils sont équivalents. Ils sont équivalents. On va essayer de le programmer ici. Premier exemple. Donc, juste qu'un pour le programme Pascal, pour vous expliquer le principe de comment programmer en Pascal. Exemple, je ne sais pas comment j'ai nommé une, c'est exemple 1, 0, 1. OK, begin. Vous remarquez, j'ai écrit le minimum, je peux l'exécuter, voir est-ce qu'il y a des erreurs. Ici, il m'indique est-ce qu'il y a des erreurs. Donc, ici, l'erreur, c'est donc point, virgule, égale, c'est point ici. J'exécute. Ici, il n'y a pas d'erreur. Vous remarquez, j'ai écrit 3 lignes et j'ai exécuté. C'est-à-dire, je vais vérifier 3 lignes. Donc, le Pascal, il est insensible à la casse. Donc, si je peux faire ça aussi, si je compile, il n'y a pas d'erreur. Mais où je gère les espaces, puisqu'allemand, je dois remplir la partie ligne. Et en fait, vous pouvez écrire tout sur la même ligne, sur une seule ligne, à condition de laisser l'espace ici. Donc, begin end, il ne comprend pas. Ici, je compile, il n'y a pas d'erreur aussi. Donc, ça, c'est pour la machine. La machine, tu peux écrire tout le programme d'Aglec sur une même ligne. Mais ce n'est pas bien de le faire. Pour l'être humain, ce n'est pas visible. Ça sera mieux de séparer les choses comme ça. Donc, très bien. Donc, nous avons l'entête. Ici, la partie déclaration, elle est vide. Et nous avons le corps. Je peux ajouter des commentaires. Ce n'est pas obligatoire de le faire aussi pour les commentaires. Déclaration. Et je peux ajouter ici, partie instruction. Les instructions. Voici. Je compile, il n'y a pas d'erreur. Vous voyez, le truc à dire, la structuration à dire, elle est valable pour n'importe quel programme. Donc, vous commencez avec la structure minimale. C'est ça la structure minimale. C'est l'entête, déclaration qui est vide, et begin. Ça, c'est tout le programme, il faut commencer comme ça. Après, je commence à faire ce que je veux faire. Ça dépend de la question. La question, c'était quoi? C'est d'écrire un algorithme, programme Pascal, pour créer le vecteur de 3 cases de type entier et les valeurs indiquées ci-dessus. C'est-à-dire, vous voyez, Vradin, quel est le vecteur à dire, soit un mec, le programme Pascal. On l'a fait en algorithme, on va le faire en Pascal. Donc je viens ici, je déclare le vecteur t, var, c'est une variable, t, array, jusqu'à 3. Les espaces à qui que je laisse ici, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez pas les mettre. Et ici, of, integer. Très bien. C'est bon, j'ai terminé la partie déclaration. Je viens ici, je vais faire la partie instruction. Donc la partie instruction, c'est juste des initialisations. Donc t de 1 reçoit ces deux points égales. Reçoit 11 pour la première valeur. T2 reçoit 5, moins 5. Et T2-3 reçoit 15, je suppose. Exact. Donc, les gars, il faut faire attention. Il faut changer les indices. Très bien. Les gars, je connais les valeurs. Okay? On va voir le cas. Après, on va faire les affichages. Write, T2-1. L'algorithmique, c'est bien. L'algorithmique, c'est correct comme ça. Mais on va voir que le Pascal, que la machine, c'est autre chose. Okay. Le partage une marche, je suppose que le partage une marche. Le partage de l'écran, il n'y a pas de souci. Ok, très bien. Alors, write t de 1. Write t de 2. Write t de 3. Voilà, vous allez avoir la vue globale du programme. Voici le programme. Il est très simple. Il n'y a pas d'entrée. Les entrées, c'est vide. Traitement, c'est des initialisations. Et sortie, voilà. Donc ici, je peux diviser la partie instruction en 3 parties. Les entrées, traitement et sortie. Donc, je vais venir à l'intérieur, de Biggie. Je vais faire le commentaire entrée. Où lèche les entrées? Pourquoi où lèche les entrées? Puisque les valeurs sont figées. Traitement, c'est juste des affectations. Et sortie, c'est l'instruction write.
Voilà notre programme Pascal. C'est très simple. OK? La structuration du programme Pascal. Bien. OK. Monsieur, l'écran paraît petit. Si vous pouvez l'agrandir. Je ne peux pas agrandir, mais après que la vidéo, ça fait c'est-à-dire que la vidéo, c'est clair. C'est la vidéo exactement la taille de l'écran que je vois devant moi. Ça devient plus clair. Essayez de suivre quel principe après. Très bien. Donc, j'exécute ce programme s'il n'y a pas d'erreur. D'accord. Voilà. Vous remarquez ici, il affiche les valeurs 11, moins 5 et 15. Vous remarquez ces valeurs, ils sont collés ici. Vous voyez, ils sont collés. Pourquoi? Puisque j'ai pas fait d'espace et un instant. Je peux faire right align pour séparer. Voilà. Attends. 11, moins 5 et 15. Enfin, ça, c'est le Pascal, c'est la compilation de Pascal. Mais une colline, c'est votre. Si vous voulez faire un truc de Pascal, ça, c'est technique. Affichage de vecteur T. Voilà. Ça devient plus clair ici. Affichage. Donc, vous voyez, les messages qui ne sont pas obligatoires, l'algorithmique, le Pascal, ils ne sont pas obligatoires. Je réexécute. Alors, right-align, j'ai fait une erreur où? Right-align, affichage de vecteur T. Je pense que Pascal, champ de caractère, c'est avec un seul guillemet, c'est pas en C. Voilà, ici. Très bien. Affichage de vecteur T, et voici. Donc, voilà. J'espère bien que c'est clair pour le premier exercice. C'est très, très simple. Donc, la deuxième solution du premier exercice, c'était d'utiliser i comme entier et faire une boucle. Ça devient plus simple comme ça. Je viens ici. J'ajoute le i. Voilà, integer. Et je viens ici. Au lieu de faire comme ça, on va faire un seul right-align. Et on va faire for i reçoit 1 to n, to 3, d'où, puisque 3 éléments de l'un, et j'exécute. Voilà, et vous remarquez, j'ai fait une petite erreur, j'ai oublié de remplacer le 1 par i, ici, puisqu'il remit 11, 11, 11, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il m'affiche uniquement cette première valeur, 11, 11, 11, il ne m'affiche pas 11 moins 5, 15. Donc, comme ça affiche correctement, c'est 11, c'est moins 5. Donc, j'espère bien que vous avez compris, il y a plusieurs façons de faire les choses. D'accord? Donc, il faut comprendre le principe. D'accord? Il faut comprendre le principe. Donc ça, c'est le premier exemple de vecteur que nous venons de faire.